Yo, c'est Master Flowax et on se retrouve sur FIFA 22 pour commencer une Ligue 1. Donc on va faire une genre de let's play tout simplement. Et je vais vous montrer en fait les plus grosses affiches hein, du championnat. Je vais pas faire toutes les rencontres. Mais voilà, en tout cas, comme c'est marqué à l'écran, c'est le coup d'envoi de la Ligue 1 Uber Eats. Nous, on est prêts, hein, à commencer. Notre premier match c'est contre l'Angesco apparemment. Et après là on a des dernières infos déjà. Inmaz sur la touche pendant 5 jours, d'accord. Donc il s'est déjà blessé. Donc voilà. Tac, je vous montre vite fait le classement provisoire. Sachant qu'il y a eu 3 journées déjà. 3 journées. 3 matchs de la première journée qui a été effectué. Donc nous on commence cette Ligue 1 par le Angesco. Donc voilà. Par rapport au programme, on va faire 10 épisodes. Donc avec un seul match hein, dans chaque épisode. On va commencer avec la journée 2, Paris Saint-Germain, Racing Club de Strasbourg. Après pour la deuxième vidéo, à chaque fois c'est un match, hein, comme je l'ai dit. Donc la journée 5, OL RCS. La journée 6, RCS contre Metz, donc le derby. La journée 7, Lens contre le Racing Club de Strasbourg. La journée 8, le Racing Club de Strasbourg contre Lille. Après la journée 20, donc Metz-Strasbourg, donc le derby, mais là-bas. Après la journée 26, Strasbourg-Nice. La journée 28, Racing contre Monaco. La journée 33, Racing contre Rennes. Et la toute dernière journée du championnat, la journée 38. Donc on ira à l'Orange Vélodrome. Donc Marseille-Strasbourg. Donc voilà, 10 épisodes pour cette série. 10 épisodes, 10 matchs. Les meilleurs du championnat, on va dire. Donc voilà. Donc pour l'instant, on est 17ème, vu qu'on n'a pas encore joué. Donc comme je l'ai dit, première journée de cet épisode, on va faire PSG Strasbourg. Donc là, je vais faire le match de mon côté. Et puis on se retrouve tout de suite après pour la J2, tout simplement. Ok, donc les gars, je viens de passer la première journée de championnat qui nous opposait au Angesco. On a fait une victoire sur un but à 0. Ce qui nous place 7ème de ce championnat pour l'instant. Et maintenant, on va faire la deuxième journée. Paris Saint-Germain, Racing Club de Strasbourg. Sans plus tarder, je lance le match. Et puis c'est parti. Salut tout le monde, il fait très beau aujourd'hui, vous voyez, à Paris, sur le Parc des Princes, un match qui va se jouer donc dans des conditions parfaites. On commence à voir parler la nuit, le sujet dans la cabine, le position du Paris Saint-Germain pour garder le but. Keylor Navas, Presnel Kimpembe en défense, à ses côtés Sergio Ramos. Ander Herrera sera associé à Wijnaldum au milieu de terrain, et devant on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. C'est la composition du Racing Club de Strasbourg. Mustapha Dissé visé sur la récupération avec 5-3-2.
Ok, Allez, c'est c'est parti parti pour ce puisque premier on commence épisode. le match donné à l'instant. Premier gros choc de notre Ligue 1. Alors clairement, si on pourrait faire au moins un match nul, ça pourrait être pas mal, je pense. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oui, on D'accord. a oublié ce que je veux dire. Andergera. Casavant. Ils vont faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le Messi. Oh là bas, Ouf. attention, ça continue. Un long ballon, loin devant. Allez, qui va reprendre ce ballon? Oh merde. Kylian Mbappé. Oh, magnifique, le duel gagné. Super réflexe dans les C'est buts. déjà chaud patate, hein. Corner en direction du point de pénalty. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Kylian Mbappé. Messi. Quel arrêt! Ouf. Oh, quel arrêt à plongeon exceptionnel! Et ça fait déjà trois arrêts pour celle-là. Hein. Oh, ça part vite. Attention, il y a Sergio Ramos là tout seul. Là. Ah, ça joue à deux. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. La rentrée. Oh, sur la barre. Encore la barre! On a du cul pour l'instant! Non, non, ça n'ira pas plus loin. Bonne intervention. Oh! Faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. L'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match. Une manière également de garder le contrôle hein, sur cette partie. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Cajorque qui se fait. Ah merde! Ah, le ballon est perdu. Oh putain! Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Mais elle sortait, Oh, il pourquoi vient la il va la chercher. chercher là? Elle était Qui même se pas cadrée relève. celle-là. C'est vrai qu'un corner, ça peut être une occasion de but. Allez! Encore un joueur en deux temps. Ramos. Oh, magnifique la parade du gardien. Alexander Djoku qui se fait. Kevin Gamero. Ça Oh va être non, servi et sérieux! le ballon qui est sorti. Wijnaldum, Kylian Mbappé, Lionel Messi. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Une belle série de passes là, de la part du Paris Saint-Germain. Casavant. Léo Messi. Attention, faut pas laisser Encore tirer. Messi. Super barré. Oh, la voiture.
Bon, pour l'instant, ils font que tirer de loin, donc bon, ça peut être géré. En plus, là, il tire du pied droit. Putain, mais il rejoue à deux là. Oui. Go la contre-attaque. Ah, faut y aller tout de suite. Oh mais c'est Sissoko devant, qu'est-ce qu'il fout devant? Ah, c'est bien vu ça. Oh non, non. La grosse frappe de Mule, mais debout. Vous voyez ce rendez-vous, ce qui nous attend tout à l'heure, ça fait envie. Et bien sûr, encore une fois, c'est sur notre chaîne que ça va se passer. Ah oui? Oh non, il croise pas assez! Ah, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Ah, je pensais qu'il y allait. Fallait de Bert. Ah oui, il cherche un partout dans la profondeur. Ah, ça le prix. Oui, ça circule bien, hein, construise tranquillement. Ronaldo. Kylian Mbappé. Ronaldo. Ok, Kimpembe. Ronaldo. Kylian Mbappé. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Le quatrième arbitre qui indique une minute. Oh mais c'est trop fort. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Allez, c'est reparti, ouais, comme il dit Hervé Matou. À sa place, le numéro 27, Idriss Agueye. Neymar. Et là, maintenant, les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oh, ça change de oh. Frappe, elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut.
progresse. Oh! Bien joué. Bonne sortie là, du gardien. Il était dangereux ce ballon, il a bien anticipé. Vous voyez le rendez-vous hein, qui va vous être proposé sur la. Oh oui, bien joué ça, le chantrain. Non! C'est pas possible! Mais non! J'ai le montant avant de terminer dans les bras. Oh mais non! C'était ouais, tellement bien joué, ça méritait d'être bu ça! Jeu, quel dommage! Oh sérieux, le quelle poteau! Arrêter, cette passe en profondeur. Mais il y a un petit peu de pression. Oh, comment je suis deg là! Dans l'appel de balle. Remplacement logique. Et après un carton jaune, la petite épée de la boîte au-dessus de la tête. Alexander Djoku. Voilà, c'est un merde qui récupère cette passe. Côté parisien. Ça c'était dangereux, bonne intervention. Non, non, non. Mais non. Ouais, et c'est là où on voit que le foot est tellement cruel. Juste avant, on a fait un poteau. Et là, il marque. Oh non! Anticipation sur cette interception. Wijnaldum. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes. Il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Ouf. Et on le voit avec ce changement. La mission, elle va être de tenir le résultat. À sa place, le numéro 2, Achraf Hakimi. Alexander Djoku. Ah, la passe par. Oh, sérieux là? Kylian Mbappé. Franck qui est bien parti. C'est au-dessus de la transversale. Ah, il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Wijnaldum. Idrissa Gueye. Énorme pour écarter le danger. Quelle parade. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Soit il frappe, soit il fait une passe. J'essaie de tout anticiper, mais c'est impossible. Thank you.
20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Merde. Non, elle a été interceptée cette passe. Ah, il a levé son ballon. Pour Neymar. Léo Messi. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Verratti. Kylian Mbappé encore. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe. Complètement à l'adversaire direct. Oh mais non. Ça a été finalement cette perte de balle. Kylian Mbappé. Mbappé. Une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Il repasse par Messi. Wijnaldum, c'est une sorte de passe à 10. Attention à Messi. Ah, c'est pas ouf. Frédéric Guibert. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer. Allez! La dégalisation. Mais non! C'est pas terminé. Mais non! Attention, il peut centrer là. À présent, sur ce centre, Presnel Kimpembe. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Lionel Messi. Wijnaldum. Oh! Tiens, qui dévie sur le poteau! Je relance! Allez! Frédéric Guibert. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Mais non, mais c'était pas pour lui! Bon, la défense s'est dégagée. Grand soulagement du gardien. Hors jeu. Non. Oh, scheisse! Merde! Dans le camp adverse. Wijnaldum. Oh, oh sérieux, non! Bon. Et l'arbitre qui siffle la fin du match, c'est donc une défaite hein, pour cette équipe hors de ses bases. Ah, c'est con parce qu'on leur tenait tête un petit moment quand même. Puis on s'est créé des occasions et tout, c'est vraiment dommage. Plutôt bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe, indéniablement. Moi je trouve qu'il a fait son match. Il a eu le mérite de marquer. Il a vraiment apporté sa pierre dans cette victoire. Bon. Malheureusement, on fait cet épisode avec une défaite. Bon, après, c'était le PSG, hein, fallait s'en douter, mais bon, on aurait pu chercher peut-être un match nul. C'était peut-être faisable. Mais bon, pour l'instant, on reste sur une victoire et une défaite. Donc, ce qui nous classe 14e du championnat.
Donc voilà. Prochain épisode. Donc ça sera la journée 5. Donc c'est l'Olympique Lyonnais contre le Racing Club de Strasbourg. Donc on ira là-bas. Hein. Et voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette Ligue 1 vous plaira et que ça vous plaira tout simplement de regarder quoi. Et si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et puis moi je vous dis ciao et à la prochaine. Allez, tchuss!